Hop, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, voilà. On va passer en plein écran et on va continuer du coup. On continue Super Mario Bros. Wonder. Je sais pas si tu y as, si tu l'as commencé, Mag. J'en suis là. Monde 3, les chutes dorées. Allez, on prend Daisy. La super Daisy. Non, toujours pas. Bon, après, il n'y a rien qui urge. Hein. Qu'est-ce que je faisais? Ah oui, il fallait que j'aille là. Je l'ai fait, ça? Ouais, je l'ai fait. Non, non, je le fais tranquillement. En full stream. Ça va être le grand saut accroupi, défi badge du maître. Par contre, je pense que Starfield, ça va me prendre encore des tonnes et des tonnes d'heures. Bon, merde, parce qu'il y a plein de jeux qui vont... Enfin, il y a plein de jeux. Il y a un jeu qui va sortir dans pas longtemps, là, il y a Persona 5 Tactics qui va sortir. Bah, tant pis, je le ferai plus tard. De toute façon, en cette fin d'année, moi personnellement, novembre, j'ai pas prévu d'acheter de jeu, je crois pas. Et décembre non plus. Ah oui, on s'accroupit. Et on se... Ah d'accord, ok. Ah ça, ce saut à la rigueur, il est pas mal. Ouais, je l'ai eu. Tout est une question de rythme. Facile le rythme. C'est par ici. C'est par ici. Décembre, il y a Avatar. Ouais. Ouais, c'est bon, j'ai tout eu. Avatar, c'est... Ah, attends, alors c'est Ubisoft qui le fait. C'est quoi leur licence de shoot d'Ubisoft, là? Ils ont une licence qui fait du shoot. Enfin, en FPS. C'est pas Far Cry, eux? Salut, Rezar! Ça fait un bail, comment tu vas? Beau travail, en plus on a reçu le badge que tu viens d'utiliser en cadeau. Je peux m'en équiper si tu veux. Non, ça ira. Ça va un peu fatiguer, pareil. Savez-vous seulement combien d'années il a fallu pour maîtriser cette technique secrète? Enfin, la prochaine épreuve devrait vous donner plus de fil à retordre. Ouf! Attends. Je vais vite fait sur internet. Ubisoft. Voir les jeux, non. On va faire un petit Wikipédia. Il doit y avoir les licences principales. Immortal Phoenix Rising, non, c'est pas ça. The Division. Est-ce que c'est The Division? Non, c'est pas The Division que je pensais. Ah, peut-être. Si, Far Cry, c'est eux, ouais. Pour moi, le Avatar, ça va être un Far Cry avec un skin... avec un skin bleu, quoi. Je pense pas que ça va être ouf. Le réveil à 5h du mat pour le taf, ça pique. Ah! Moi, fut un temps, le réveil, c'était à 3h du mat pour commencer à bosser à 5h. Ça piquait un peu aussi.
sais pas ce que c'était. Actuellement ça va, maintenant je me lève à 6h pour bosser à 8h. C'est déjà plus faisable. C'est eux qui sautent en même temps que moi là? Ouais. Ok, c'est bon. On peut les buter avec ça ou pas? Merde, raté. Ah oui, on peut les niquer, c'est bon. Ah oui, mais bon, forcément. Raté. Pourquoi je m'emmerde, je vais faire ça. Évidemment. Ah là, j'étais nul. J'ai failli te être nul deux fois. Normalement, ce n'est pas l'équipe des Far Cry qui le font, mais ceux de Division. Ouais. C'est pareil. Division, c'est très, très lambda comme jeu. Hein. Ah, lui, il saute plus haut, en fait. D'accord. Faire en fait. J'ai pas compris à quoi il servait le... bumper en haut. Ça aurait été un jeu d'aventure, ça m'aurait intéressé, mais un FPS, ça m'intéresse pas. Ah! Ah! Voir comme ça là. Ben voilà, je l'ai eu. Ah, il avait la fleur sur lui. C'est un jeu d'aventure quand même, mais en vue FPS. C'est un jeu d'aventure, c'est un jeu de shoot. Mais c'était la suite du jeu là. Je voulais pas faire la suite du jeu moi. Ah, je peux pas revenir en arrière. Bon, mais tant pis. J'ai raté la fleur. Ah, zut! Faudra le refaire. Pas certain que ça se limite juste à un vulgaire FPS. Bah d'après ce que j'en ai vu dans le... dans les gameplays... Oh non, tu n'as pas récupéré la bonne fleur qui te met l'esprit en vrac. Ainsi, vous avez réussi cette épreuve. Le bois dans lequel vous êtes taillé est plus robuste qu'il n'y paraît. Mais à partir d'ici, les épreuves vont se corser, préparez-vous bien. Pouf! La drogue, c'est mal, voyez.
plus, il n'y a pas d'objet dans ce jeu. Enfin, dans ce niveau, il n'y a pas de champ. Si, il y a un moment, il y a un champignon. Mais c'est, ben, c'est pas un champignon, c'est compté au drapeau, quoi. J'ai récupéré toutes les pièces, par contre. Ouais, toutes les pièces, c'était bon. C'est là que j'aurais pu l'avoir, tant pis. Voilà. La drogue, c'est mal, hein. One up. Ah, mais c'est limité en temps, en plus. Faut que je fasse un peu plus vite. Voilà, je l'ai eu. Oh merde. Moi aussi. Mais c'est vrai que ce jeu, il est complètement psychédélique. Hein. C'est Mac qui sait pas ce qu'il est. Qu'est-ce que c'est ? Difficulté. Ah, celui-là, il est dur. Épreuve des bondis en boîte. Enfin, il est dur. 4 étoiles. J'ai pas besoin de ça pour avoir le cerveau complètement magouillé. Mag, elle est plus efficace à jeun. Ah ah, c'est une arme. Merde, pff, je l'aurais pas gardé longtemps. Bon, je fais pour l'avoir celle-là. J'aime bien la musique, elle change. Ah, c'est avec ça, d'accord. Il passe au travers des fois. Tout à l'heure, il est pas passé au travers. Oula. Oula, 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 oula. Bah oui, évidemment. Ah ah. Merci pour les encouragements. Oh, il était bien caché celui-là. C'est quoi qu'ils ont sur la tête? C'est des éventails là? Mais c'est raté. Je peux peut-être l'avoir comme ça là. Hop. Wow. Pareil encore.
Et quoi là? C'était juste. Est-ce que tu y as joué à ce Mario Wonder de Rezar? Ou est-ce que tu as opté pour Spider-Man? Ou aucun des deux? Il est tombé. Celui-là. J'ai raté une pièce, je crois. Votre agilité sur ces plateformes était tout simplement prodigieuse. C'était un spectacle de toute beauté. Ouf. Ouais, j'ai raté une pièce. Tant pis. Montez minute. Kezako. Daisy est la princesse de Sarasaland. Oui, ça je le savais. D'accord, ok. Ah! Ah, j'en ai raté un, je suis mort. C'est bon. Panique, panique. Au moins, on peut les enclencher tant qu'on veut. En fait, c'est facile. Salut, Yik est là. Je suis en congé de scolaire 2 semaines. La chance. Là, ces mecs qui sont dans les... Ces gens qui sont dans les écoles, là, c'est... Ils travaillent jamais. Jess est bien placé pour le savoir aussi. Oh là. On peut les brûler, on peut les brûler ceux-là. Ah, on peut les détruire, c'est bon, d'accord. Ah, mais ils se restaurent quand même, faut faire gaffe. La drogue. Ah, j'ai raté la pièce. Allez-y, toi. Elles sont trop bien les étoiles en fait. Ça attire les pièces et tout. Je suis étudiante. Ah. Je joue à Mario Wonder, j'ai commencé hier et je suis au monde 1. Moi je suis au monde 2, 3, 3. J'avance tranquillement, il est chouette, il est vraiment bien. Il est assez facile, ça va. Ah,
Après, le 100% s'avérera peut-être plus difficile, mais... Mais pour le moment, je galère pas trop, moi. Hein. Pourtant, en général, comme je disais la dernière fois, les jeux de plateforme, c'est pas ma... trop ma tasse de thé, quand même. Ainsi, vous avez su appréhender leur mouvement extrêmement complexe. J'en suis encore incapable. Serais-je indigne de mon rang de maître? Ouf. J'ai tout eu, là? Ah, il m'a... j'ai raté une pièce, quand même. Tant pis. Course minutée, là aussi? Bon. C'est vrai que quand tu repenses au premier Mario Bros, il était plus court, mais c'était plus dur. Dépêche-toi. T'arrêtes pas. Ah! Ah, panique! Non, c'est bon. Oh merde, j'aurais dû... Ah, c'est pas grave. C'est bon. C'est passé. Là, je vais aller dans quoi? Je vais en être à 6 heures de jeu, à peu près. À la fin du stream, j'en serai à 6 heures de jeu. Et donc, tu es étudiante, tu étudies quoi? C'est que tu en avais parlé sur Twitter, vite fait, j'avais vu. Mais comme j'ai la mémoire courte, je me souviens plus ce que tu avais marqué. Vous voilà à l'épreuve finale. Sa véritable arrivée est cachée. Trouvez-la et vous aurez réussi. Et si je peux vous donner un conseil, regardez bien où vous mettez les pieds. Pouf! Pouf le cascadeur. Petit moment d'arrêt. Et on repart. Oh là là, la drogue! Oh merde, la pièce est en dessous. Passer en dessous là? Non, je peux pas. Ok. Donc ce niveau, faudra le refaire, mais sans prendre la fleur. Allez! Ouais! Jack, je vole! Je fais des études pour être institutrice maternelle. Ah, d'accord. Waouh! J'ai raté plein de pièces, mais c'est pas grave. On est arrivé au bout. C'est vrai que maintenant que tu me le dis, je m'en souviens que tu avais parlé que tu voulais travailler en école maternelle. Ça me revient. C'était pas dur. Manoir de la grande graine... de la graine royale. Vous avez atteint le sommet des chutes dorées. Cela signifie que vous avez réussi l'épreuve finale. Félicitations! Super, on a réussi! Mais alors ça veut dire que... Eh oui, c'est avec fierté que je vous confie la graine royale! Je n'ai plus rien à vous apprendre, Altesse. Surtout qu'en fait, je vous ai rien appris du tout. Et là, Baby Bowser va arriver et me voler la graine. Même pas? C'était trop facile. Je suis déçu. Nos héros ont courageusement triomphé de toutes les épreuves.
Mais leur aventure dans le royaume des fleurs est loin d'être terminée. Combien d'autres épreuves finales auront-ils à surmonter avant d'obtenir toutes les graines royales? Aroulou. On compte sur toi. En fait, c'est juste des toads avec des fleurs sur la tête. Utilisons une fleur hélico pour retourner aux îles florales. Évite de t'ébahir devant la beauté du paysage, tu risquerais de lâcher la fleur. Je suis un peu déçu. Trop facile. C'est pareil, quand... regardez les yeux de Bowser. Il est complètement drogué lui aussi. Je suis un sanglier, je suis un sanglier. Tu es un sanglier, tu es un sanglier. Petite vermine! Cessez immédiatement d'attaquer mes pauvres nuages piranhas qui ne vous ont rien demandé. Greux, ne criez pas victoire trop vite et écoutez ça! C'est de la techno? Les 12 travaux d'Astérix. Tout ramène à ce film. Un jour, faudra qu'on se mate ce film en direct. Et comme ça, je fais bannir la chaîne et on n'en parle plus. Les préparatifs de mon énorme prodige suivent leur cours. Plutôt que de lutter, vous feriez mieux de vous réjouir. Bouahahaha. Oui, il y a des risques. Un petit peu. C'est vraiment inquiétant. Qu'est-ce qu'il peut bien mijoter? Dépêchons-nous de trouver les autres graines royales. Plus vite on les aura, et plus vite on aura atteint Bowser. On doit encore récupérer 3 graines royales. Elles devraient être dans le désert cuisant, les mines fongiques et le volcan végétal. Un volcan végétal? J'aimerais bien voir ça. Et évidemment, on peut faire les 3 mondes, j'imagine, à partir de maintenant. Mais il faut quand même un certain nombre de graines pour pouvoir les débloquer. Donc je peux en débloquer 2, il m'en manque 3 encore pour faire le volcan. Tu en ouvres une juste pour balancer le film. Ah oui, ouais, à la rigueur. En plus, j'ai un autre compte. Si tu veux voir leur emplacement sur la carte globale, appuie sur L et sur X. Je te décide où aller en premier. Bon, on va suivre l'ordre classique. Hein. Un volcan végétal. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de fleurs pourtant. C'est quoi ça, c'est un niveau? Je l'ai déjà fait. La caverne aux joyaux. Hac! La caverne aux merveilles. D'ailleurs, il y a un nouveau livre, il y a une nouvelle bande dessinée d'Axtéris qui va sortir là dans pas longtemps. Oh là, d'accord. Ah, ça y est, tu es dans quel monde? Je suis dans le monde... celui-là. Je suis dans le monde 3. Et là, je me dirige vers le monde 4. On va creuser. On a enfin trouvé le monde où on creuse. Elle vient de quel Mario, cette musique là? Ah, on peut se mettre dans le plafond aussi. Thank you.
pas. Là, ça marche. Il y a un truc bizarre, là. Merde. Ah, je croyais qu'on pouvait monter. Ils se sont entretués. Bah après, vu que t'es au monde 1, tu auras... Il y a un petit moment avant que tu me rattrapes quand même, hein. J'ai quand même pas mal avancé. Ouais, ma vie, elle est là, ma vie. J'aurais pu mettre plus de transformations, je suis un peu déçu. J'aurais pu garder le Mario Tanuki, c'est une valeur sûre. J'aurais peut-être dû la tirer vers le haut. Tant pis. Allez. Oh punaise. Allez, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on s'arrête pas. C'est bon, c'était facile. Bien joué. N'est-ce pas? Mais tu vois, je comprends pas l'intérêt de ce couloir. Y a aucun danger. Ça en a perdu Nintendo, hein. C'était plus dur avant. Quand les jeux sont trop durs, je râle. Quand les jeux sont pas assez durs, je râle. Oh là là, il râle tout le temps ce mec, c'est pas incroyable. Le désert cuisant. Si tu comptes te rendre dans le désert cuisant, tu ferais bien de t'équiper dans notre bazar. Bah y'a rien d'intéressant à acheter là.
Ton avatar est parfait pour ça. Je l'ai bien choisi. Hein. Monde 4, ça y est, on y est. Ah, Bowser Junior. Mais qu'est-ce qu'on a soif ici? Allez, c'est pour qui la bonne eau? Pour moi et rien que pour moi. Et s'il y en a qui viennent pleurnicher, le soleil séchera leurs larmes. Voici donc le désert cuisant. Tu as vu tout ce sable blanc? C'est presque aveuglant. Je pense qu'on trouvera une autre graine royale au palais. Enfin, si on n'est pas complètement cuit avant. Bref, allons-y. Donc on a du mal à courir dans le sable. Hein. Ça serait marrant qu'ils remettent, comme dans Super Mario Bros 3, le soleil là, qui venait nous attaquer. Ah, je meurs de soif! Mais où est passée l'eau? Oh, votre Altesse, malheureusement vous n'en trouverez pas une goutte chez moi. Un terrible garnement est venu dans le désert cuisant et nous a dérobé notre précieuse eau. Je vous en prie, aidez-nous! Vous devez récupérer notre eau. Tenez cette graine prodige, je pourrais bien vous aider. C'est vraiment terrible. C'était marrant, ça. il était dur en plus. À avoir. Allons vite au palais pour les aider avant que tous les poplins du désert ne fanent. Faudrait que je me le refasse, Mario 3. Un de ces quatre. Je suis en ligne, on s'en fiche. Altesse, c'est terrible! Hormis l'oasis, il n'y a plus une goutte d'eau dans le désert cuisant. Normalement, le palais est entouré d'eau. Mais il a fallu que ce malotru vienne nous la voler. Je vais surveiller l'oasis, mais je vous supplie d'aller reprendre le contrôle du palais. Le sable blanc. Si vous vous perdez dans les vastes étendues du sable blanc, appuyez sur L pour consulter la carte. Vous pourrez alors sélectionner un stage pour vous y rendre directement. Oui, je sais. Nous avons un peu de tout pour toi. Pour un périple dans le désert, rien ne vaut notre badge grand saut cadencé. Ça fait quoi, grand saut cadencé? Enchaînez vos sauts, les effectuant jusqu'au bon moment pour sauter plus haut, même sur le sable. D'accord. Allez, on va l'équiper, on va voir. Reviens quand tu veux. Ah, il y a des mirages. Déboulement de Tatumi. Moi, le Mario World. Faudrait que je le refasse aussi. Ça fait... Bah, j'avais pas la Super NES, moi. Du coup, je l'ai fait qu'une seule fois chez un pote. Du coup, ce jeu, en fait, je le connais pas tant que ça. Je le connais pas du tout, Mario World. Yahoo!
Ouais. Re, mon appli Twitch a planté. Ah. On a rien dit de plus, hein. C'est bon. J'ai raté la première pièce, tant pis. On reviendra. Et c'est parti! Là, va y en avoir des mirages. Elle est speed. Salut sa seigneurie, il y a babois. Aïe. Mon perso c'est Odette. Moi j'aime bien Daisy. Ah, je fais n'importe quoi. Mais Toadette elle est cool. Si jamais tu galères, tu peux prendre Yoshi. Yoshi c'est le mode facile on va dire. Parce qu'il est bien Yoshi, il plane, il avale les ennemis, il craint pas les dégâts. Par contre il peut pas se transformer. Après, celui qui sert à rien, c'est le voleur, là. Je sais plus comment il s'appelle. Lui, là. Carotin. Lui, il sert à rien. Alors ça, qu'est-ce que ça peut bien être? En plus, il y en a deux autres qui lui ressemblent, comme deux gouttes d'eau. Ça m'intrigue depuis un moment, je l'avoue. Bah, faut appuyer sur les trois en même temps, j'imagine. Intermède, ça creuse. Attendez pas. Mais je vais pas y arriver. Ah voilà. Pyramide et bout de ficelle. Ah, il va y avoir des momies. À propos de momies, ma mamie m'attend. On va les dérouler. Ah, il n'y a plus rien.
Il y avait pas ça dans comment ça s'appelle dans La Famille Adams, il y avait un personnage qui était complètement bandrolé là. Et je crois qu'à un moment il le déroule et il y a rien en fait dessous. Évitons de tirer sur tout ce qui dépasse. Hein. Je vais essayer l'Oshi bleu ciel. Après c'est tous les mêmes. Hein. J'ai bien fait de prendre ce badge qui permet de sauter, de rebondir là. Le tuyau bleu doit y avoir quelque chose de particulier, non? Merde. Si, c'est bon. Je reprends ton deck, je préfère. Alors, c'est vrai que le gameplay de Yoshi, il est particulier quand même. Hein. One up. La drogue, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Reviens ici toi. Alerte intrusion. Ah! Oh là. Je t'ai eu. En fait, les petites fleurs, je les trouve pas si intrusives que ça. Je m'attendais à pire, personnellement. Ouais, c'est bon. Alors surtout, il dit qu'il a le défi du jeu, bah, c'est de trouver toutes les graines, de trouver toutes les pièces, mais aussi d'avoir tous les drapeaux. Il faut arriver au sommet de tous les drapeaux pour débloquer des trucs. Parce que quand tu regardes ton tableau de bord, bah il y a des trucs à avoir, donc les drapeaux, les graines et les pièces. D'ailleurs les drapeaux je m'en sors pas trop mal. Hein. Il y en a un là. Il y en a un là et le troisième est là. Oh, comme de par hasard. Tu y travailles.
Oh non, on m'a déjà tout raconté à ton sujet. Tu es là pour nous aider, pas vrai? Sache que le désert regorge de secrets cachés. Ils peuvent être enfuis dans le sable ou encore dans les bâtiments. Cherche-les bien. Je cherche bien avec toi, mais cette chaleur me ferait juste faner. Je vais t'encourager d'ici plutôt. Si tu veux. La piste épineuse. Ah merde, je me suis fait avoir, mais alors comme une... Il y a quelque chose là-haut? Ah oui. Le petit toutou. Oh non, la vie! Elle est morte. Ah, on va la chercher. On va chercher la vie. Ah non. Ah si, elle est là. Et quand même, on peut se dire vachement agile la princesse, mine de rien. Ah, j'imagine qu'il faut prendre le gros rocher là. Ah, en plein dessus. Oh là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ouais. Pas de panique à bord. C'est pas la Zelda qui sert à rien, c'est vrai. Ah, pourquoi elle est toute petite? Mini Peach. Mini Daisy, pardon. Après, d'un côté, je me dis, Zelda, elle représente la sagesse. Donc c'est normal qu'elle ne combat pas. En vrai, bah à part dans Hyrule Warrior. En fait, c'est pas du tout logique. Elle devrait pas être violente. Ça fait plus Espagne que... Que pays oriental, cette musique.
Ça va lui faire bizarre, lui. Et là, vu qu'ils vont faire un jeu avec Peach en héroïne, peut-être qu'un jour ils sortiront vraiment un jeu avec Zelda en héroïne. Hein. Il serait temps. En avant, Mechador. C'est un mélange entre Mecha et Médor. Comment je suis censé passer, moi? Et là, je peux pas marcher sur les pics. Ah, attends, j'ai peut-être une idée. Tout simplement. C'est louche ça. Gouroule en colère. Mais qu'est-ce qu'une gouroule ? Quelle violence ! Je voulais calmer, moi, tu vas voir. Ces machins, ça rebondit dans tous les sens. Boing, 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 boing. Attends, attends, reviens par là, un peu à l'est, hop. Descends-toi, descends. Descends, descends. Voilà. C'est parti! On est au ralenti! Tout à l'heure on était speed et là on est lent.
La tête du Goomba. C'est ça quand on mange trop de champignons. Mais franchement, les animations des personnages, elles sont trop marrantes. C'était hilarant. Regardez les Goombas quand ils meurent, ils ont des croix sur les yeux. C'est trop rigolo. En anglais, au lieu qu'il y ait marqué prodigieux, il y a marqué wonder. J'imagine. Heureusement qu'ils l'ont pas appelé Super Mario prodigieux en français, ça l'aurait pas fait. Grand saut accroupi numéro 2. Difficulté 4 étoiles. Ok, ça va demander un peu plus d'adresse, ça. Raté. Putain, faudra refaire le truc. Faut que je rebondisse sur le mur en fait. Voilà. Ah, dommage. Il est pas évident celui-là. J'ai chaud. C'est à cause du chauffage. Oh là là, j'aurais peut-être dû l'éteindre. Tu as l'air de maîtriser les effets de ce badge. Non, je veux pas. Rengaine de la graine. Ah! L'île Delfino. Valetin dont on voudra pas. Non mais ça va. Faut qu'il continue à sécher mon escalier. Ah merde, j'ai raté une pièce. Il y a un truc là-bas. Aha! Psst! Tu veux la drogue? Que ça reste entre nous, mais nous aimons particulièrement les graines prodiges ici.
Oh, il en a plein, ouais. Rapidité. Courez et marchez un peu plus vite que d'habitude, même sur le sable. Dealer de graines. Revers du désert. Depuis hier, j'ai une notif sur mon Mac, je l'ai encore entendu là. J'ai une notif sur mon Mac qui me dit « Vous avez un logiciel piraté, vous devriez le supprimer. » Tu vas prendre quoi ? Je vais prendre quoi ? Je vais prendre les boules de feu, c'est bien les boules de feu. Il est mal placé, lui. Secondes. C'est 70, hein, c'est ça. Ça va être les... Pour moi, personnellement, pour moi, ça va être les niveaux les plus difficiles à terminer. Merde. Alors ça, c'était mal joué, ça. Bientôt, ça va être par pitié, supprimer votre logiciel pirate. Ah putain! secondes. Il est parti où l'autre? Encore deux? D'où le dernier? Ah, il est là. Comment je fais pour l'avoir? Ouf! Putain, 106 secondes. Parce que, ouais, j'ai trop duré, là. Ah, oh, mais c'est pas fini, en plus. Ah, ben voilà. Courez et marchez un peu plus vite. Non, on va pas faire ça. Ça, on s'en fiche. Champignons gratis. J'ai même pas besoin de ça. Est-ce que je prendrais pas plutôt l'éléphant? Oh, c'est vachement long de faire comme ça. Et lui, comment je vais faire avec lui, là? Ok. Prix de jeu sur Steam? Non, non communiqué. C'est parce qu'il n'est pas sur Steam, celui-là. Mais il est à 60 balles. Et il le sera pour toujours.
Ah! Mais... Ah... Voilà. Ah oui, il y a 4 niveaux, c'est marqué en bas en plus. Alors c'est marrant parce que quand ils voient pas où ils vont, ils tombent pas, mais quand ils voient où ils vont, ils tombent. Là, j'ai bien fait de prendre l'éléphant. C'est bien plus puissant que... Bon, les lanceurs de marteau, là. Du coup, ça doit pas être 70 secondes, celui-là. Ça doit être un peu plus. Vu qu'il y a un niveau de plus. 100 secondes. J'étais un peu long quand même. Par contre, étonnamment, je trouve le temps qui passe plus doucement que quand je suis sur sur Starfield. Là, je regarde, là, je fais ouais, ça fait que 1h20 que je suis en stream. Alors que sur Starfield, je voyais pas le temps passer hein, pendant les streams. Je réparerai bien ce pont, mais flétri comme je suis, je n'ai plus aucune énergie. Quoi, tu me donnes des pièces fleurs? Tiens. Super, avec ça, je vais pouvoir réparer ce pont et Fissa. Deux coups de pioche et ce sera réglé. Des coups de pioche pour réparer un pont? C'est moins immersif, c'est vrai. Pourtant, le jeu est pas, il est loin d'être mauvais, hein, je me régale. Hein. Et voilà, un pont réparé est encore plus solide qu'avant. Tu peux le traverser autant que tu veux. 1, 2, 3, hop. Oh, le pont est réparé. Voilà une nouvelle qui me ravit jusqu'au pétale. Je vais enfin pouvoir retourner voir une danse ninji. Tu ne sais pas ce que c'est? Eh bien, tu peux trouver les ninji sous la colline derrière l'oasis. Ils ne sont pas faciles à repérer, mais tu entendras leur musique si tu t'approches d'eux. Sauter en rythme avec eux est une expérience incroyable. Je te conseille vivement d'essayer. 1, 2, 3, et hop. Il a dit quoi? Près de l'oasis? Tu reconnaîtras la musique, il a dit. Il est où l'oasis déjà? Il est là-bas. Ah, là, dans la danse ninji. Après avoir gagné la course de la chenille, j'ai gagné le badge champignon gratis. Ah, elle était pas mal la course contre la chenille. C'est marrant parce que si je suis pas en rythme, la musique elle perd en rythme. Facile, facile.
Bah ouais. Avec les petits escaliers à l'ancienne, comme dans les premiers Super Mario Bros. Mais j'avoue que ça me donne envie de faire du rétro, là. Ça me donne envie de refaire les premiers Mario. Bah, pas le 2, ni le... Ni le Lost Level, je les aimais pas, ceux-là. 1, 2, 3, hop! T'avais vraiment le rythme dans la peau. Et grâce à toi, on a reçu le badge saut en rythme. Tu veux que je l'équipe? Non. Je l'ai pas fait celui-là? Défaut para-chapeau. 2. Comme quoi le but est certainement réussi de la part des développeurs, je pense. Vers l'infini et au-delà! Yeah. Oups. On réessaye. Yahoo! C'est mieux. Par ici, là-bas, d'accord. Oh là là. Tout va bien ? J'ai connu mieux. Aïe, j'ai connu beaucoup mieux. Ah, ma piécette. Tant pis, on reviendra. Pourquoi je tombe plus vite que... Ah. T'as vu comme elle ralentit? C'est bizarre. Bon. Je... J'y reviendrai plus tard. Tu as l'air de maîtriser les effets de ce badge. Tu veux que je m'en équipe? Non. J'ai lu l'autre jour une petite anecdote sur Mario Wonder. En fait, les 4... Enfin, il y a le tout premier Mario Bros. Super Mario Bros. 1 sur NES. Il avait été développé par 5 personnes. Et sur les 5 personnes, il en reste 4 qui faisaient partie de l'équipe de développement de ce jeu. Mais j'ai pas les noms. Après, j'imagine que c'est Miyamoto qui a pas fait partie. Parce que Miyamoto, il est plus développeur maintenant, donc c'est peut-être lui. Je sais pas. Vous avez vu ce qui est arrivé au palais? Il est tout sec. Depuis que ce garnement se l'est approprié, j'ai tellement peur que je n'ose plus m'en approcher. Avant, il était entouré d'eau fraîche. J'aimerais beaucoup y passer mes journées avec mes amis. Mais Pétale apprécierait beaucoup aussi, en fait. Mais c'est fini, tout ça. Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas tant qu'on n'aura pas chassé ce petit vaurien. Le labyrinthe bicolore. Après, t'as vu, Yikela, je sais pas si tu as essayé, mais on peut jouer à plusieurs aussi au jeu. Hein. Tu pourrais essayer avec tes enfants ou je sais pas. Bienvenue. Je suis curieux de voir comment tu vas t'en sortir. Je vais bien m'en sortir, t'inquiète pas. Ha!
on aura besoin. Ah merde. Ça c'est exactement Super Mario Bros 2. Hein. Tu as la porte avec le cœur, tu as la clé à récupérer. Même tu as l'ambiance un petit peu orientale qu'il y avait dans c'était quoi, c'est Doki 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 Panic. Il manque. Bon, il y a pas les crânes par contre. Ils auraient pu mettre les masques qui viennent te pourchasser là. Être allongé. Ah non. Qu'est-ce qu'il faut lui faire? Ah mais d'accord. Il y avait Dark Link, maintenant il y a Dark Mario. Fantomatique. Un Dark Mario fantomatique. Plus qu'un Dark Donkey. Y'a un truc là? Ah ah! Oh oh! Tu remontes? Merde! Je l'ai pas vu. Ouais, je remonte. Ah! Je redescends. Je remonte. Là, il y a la clé. On peut pas passer là, d'accord. Allez, mais pour remonter, attends. C'était là. C'est là. Ok, bravo. Ouais, bravo. Prodigieux. Et donc du coup, le seul jeu original qu'on n'aura pas eu sur Switch, c'est une licence Donkey Kong. Il y a eu le portage de la Wii U, mais ce n'est pas un nouveau jeu.
et Star Fox. Ce sont les deux grosses licences qui seront absentes de la Switch. Surtout Star Fox. Super, nous voilà sortis du labyrinthe. Ce désert est vraiment mystérieux quand même. Oh, je viens de me souvenir de quelque chose. Il paraît qu'un badge serait caché dans ce désert qui te permettait de courir un peu plus vite. Mais je l'ai déjà trouvé. Ascension nocturne. Ah d'accord, il faut retenir le... On voit plus les pièces là, c'est ça? Ouais. Donc il faut retenir le truc pour arriver au bon endroit. Hormis le dread. J'ai dit Metroid? Je voulais dire Star Fox. J'ai pas dit Star Fox, j'ai dit Metroid. Parce que oui, Metroid, elle y est dessus. Il y a encore un an de vie à Switch, c'est possible de knocker un Star Fox. Lié au-dessus. Et si on rajoute F-Zero et Metroid, ça fait beaucoup. Bah, il y a F-Zero 99. Ah, je suis tombé. J'arrive pas à le... Ah oui, d'accord, ok. Je vois plus possible un Donkey Kong qu'un Star Fox. Je l'ai déjà dit, non? Montée scénique. Ça vient de Mario Sunshine aussi. Cette musique-là. Dans les niveaux horribles où tu n'as plus le jetpack. Pousser chez les Poussumo. Celui-là là, avec les blocs bonus plutôt. C'est chaud. T'as vu comment elle est forte? Allez, pousse! Pousse! Ha ha ha! Celui-là est un peu gros. Oh, elle est au premier plan. Ah, il est pas gros en fait, il était au premier plan. Ça c'est marrant ça. T'as le machin qui te cache l'accès.
Pourquoi elle brille? J'ai invoqué personne, moi. Ah non! Ah. Oh, pousse pas comme ça, là. Elle passe pas la porte. Allez, c'est parti pour le psychédélique. Je dois faire. Les murs ont bougé. C'est pas grave. Peut-être pas le jeter en bas, ce machin, en fait. Petit moment de panique au début, je savais pas trop quoi faire. Et puis finalement, ça va. Oh salut. Bon, j'imagine qu'il faut aller en bas du coup. Ah non, il y a une porte là. Elle était là cette porte. Ouais. D'accord, la porte est coupée en deux, il faut la réparer. Bon, on va attendre. Hein. Approchez, approchez. Allez. Voilà. Oh, normalement ça tombe pas comme ça, hein, ça bascule, mais bon, on va pas chipoter. Prodigieux. Ben j'ai fait tous les niveaux ici, je crois, non? Les mines fongiques, monde 5. Je suis passé par où? Hey, Captain Toad! Tu ne t'attendais pas à trouver quelqu'un ici, pas vrai? Ravi de te rencontrer. Enfin, on ne t'est jamais rencontré, si. Mais tu sais peut-être qui je suis. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver dans cet endroit lugubre. Attends, on ne va pas croire que j'ai peur. Un capitaine, ça n'a peur de rien. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit.
Je me demande ce qu'il dit s'il croise Mario. Parce que ouais, Mario il le connaît, mais c'est vrai que peut-être que Daisy ils se connaissent pas. Je sais pas si le texte il change s'il croise Mario. Ah mais j'ai failli oublier, j'ai trouvé 50 pièces fleurs, je te les donne. Tu peux toujours les utiliser au cours de ton aventure. Bonne chance. Je sais même pas comment j'ai... Qui sait? Je sais pas. Faudra tester. Faudra que quelqu'un vienne ici avec Mario. Pour voir si le texte est différent ou pas. Difficulté 4 étoiles. Le palais du désert cuisant. Tu vas vraiment rentrer là-dedans ? Ouais. Ah merde. Ah sauter en rythme. Gagner des pièces en sautant en rythme avec la musique. On va prendre... C'est lequel? Celui qui permet de courir sur le sable, là. C'est celui-là. Ah, j'ai perdu une vie. 56 vies. Ça voilà, c'est à ça que ça doit ressembler, un château de Bowser. Avec des flammes et des twamps. Et de la lave aussi. Merde. Ah, peut-être. Non. Oh là là, les variations de vitesse. Ça va lentement, ça va rapidement. Alors déjà que c'est pas facile en temps normal, alors là les variations de vitesse ça n'aide pas. Hein. Merde, j'ai pas le... Je peux pas creuser, je peux pas récupérer la pièce. Mine de rien, les 100 vies, on les récupère vite. Hein. Enfin, les 100 vies, les 100 pièces. Dans les premiers Mario, tu finissais pas à 56 vies. Hein. Merde. Pif, paf, pouf.
Oh, de l'eau. Quoi ? Encore vous ? J'étais en train de m'amuser dans l'eau, vous êtes tout venu gâcher. Bah, ça fait rien. Bientôt, il va y avoir un bon gros prodige. Et là, plus personne ne résistera à papouner. Si vous voulez abandonner, je vous en voudrais pas. Du coup, j'aurais dû prendre le badge dauphin. Ah merde. Oh, wow, mon pouvoir, là. Oh, enculé, mon pouvoir. Ah non, c'est bon. Il craint pas, hein. Ça lui fait rien. Oh là, faut pas descendre là. C'est original. Je t'ai eu, trop facile. T'en as pas marre de te faire humilier ? Deux graines prodiges ? J'ai un bon rythme ce soir. En fait, je remarque le bruit du saut, ben, c'est le même bruit que Mario faisait depuis le début. Mais autant à l'époque c'était pas gênant, autant aujourd'hui ça fait pas très réaliste. Le bruit de ressort là. Ben voilà, l'eau est revenue. Nos héros purent rendre l'eau volée au désert cuisant. Où vont-ils se rendre maintenant que la quatrième graine royale est entre leurs mains ? Choisiront-ils les ruines mystérieuses des mines fongiques ou les bassins de lave du volcan végétal ? L'aventure pour mettre un terme au plan diabolique de Bowser est loin d'être terminée. Ouais, je vais le finir en 9-10 heures le jeu. La mission principale, 9-10 heures. On devrait y venir à bout samedi après-midi, je pense. Après, il y a peut-être le monde de Bowser aussi. Peut-être qu'il sera un peu long. Hurrah, ça valait le coup de nous agiter sur cette chaleur de plomb finalement. Mais on n'est pas au bout de nos peines. Il faut qu'on trouve la prochaine graine royale pour pouvoir donner une bonne raclée à Bowser. Ah. Monde spécial bateau là, encore. Et ce sera peut-être le dernier niveau qu'on fera. Thank you.
Y'a un truc en bas. Je préfère pas aller voir. Y'a un truc en haut. Oh là là, j'ai failli avoir chaud aux fesses. Oh non! Tant pis. C'est lequel rebondit à celui-là. Allez, toute petite! On sait pas s'il y a un truc en bas là ou pas. Ou si c'est la mort, on sait pas. Bon, ça a l'air d'être la mort quand même, on va éviter d'y aller. Ah non, j'aurais dû passer par en dessous et remonter. Finir là. Oh là là. Ah oh. Oh là là. Non, ça va. Parfait. Ah oui. Ça va, c'était pas dur. C'est bon? J'ai eu les trois pièces, parfait. On n'aura pas à revenir. Je suis un peu déçu.
J'aurais pu mettre un boss. Trop facile ce jeu. Et il est 22h moins 1. Mais on va s'arrêter quand même. Ah, touche écoulée. Bon, ben voilà. On a bien avancé une fois de plus. Je vais sauvegarder. Tac, sauvegarder. Je sais même pas s'il y a des sauvegardes auto, je pense. Merci Mag, merci Jess, merci Yikela et Rezard d'être passé, même si je crois qu'il y en a deux qui sont partis depuis le temps. Ah si, Yikela est toujours là. Rendez-vous bah, du coup jeudi 20h bah, pour toujours un peu plus de Mario. Voilà. Bonne nuit, à la prochaine. Ciao.